Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, tête vav en moudette, c'est la fin. Là, ici, c'est le début. Tête vav, vous tournez la page entièrement. Tête vav. Balaïla haou. Ok. Le midrash, il est très sympathique. On va le faire ensemble. La dernière page. Ok. Balaïla haou. On y est? Allez, vous allez voir, c'est très sympathique. Très sympathique. C'est. Ok. Un des tournants de la Megillah, c'était quoi? Un des tournants de la Megillah, c'est lorsque Esther, elle va voir Achashverosh. Elle invite à un michté. Shabbat après-midi, on a dit quelles étaient les sept options que Esther, elle a vues à inviter à Achashverosh et à Aman au michté. On en a fait une vidéo tout à l'heure. Mais si vous regardez un peu la vidéo qu'on a envoyée tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son plan, il a plus ou moins bien fonctionné. En tout cas, une des options a fonctionné. Et pendant la nuit, après le michté, ça devait être un peu avarié ou je sais pas quoi. Tachles, palailahu, nadeda, shnat amel. La traduction, cette nuit-là, le roi n'arrivait plus à dormir. Au passage, il y a... après le michté. Exactement. C'est le soir, a priori, du premier michté. Alors, il faut savoir que d'après certains avis dans la Gemara, on dit qu'on commence à lire la Megillah que à partir de Balaïlaou. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que le miracle commence. C'est-à-dire que la Gemara, elle considère que, et à tel point, que le Chazan, à ce moment-là, il élève un ton sa voix. Jusqu'à maintenant, c'était le dépôt du décor. C'est à partir de là qu'on considère que là, ça commence à se transformer. Ok? On le fait? Normalement, on va rigoler un peu, c'est sympathique. Sympathique et chose. Allez, je le fais un peu rapide parce qu'il y en a qui vont partir et si je le prends mon temps, à 11h on est encore là. Balaïla haou, ok. Cette nuit-là, Nadeda Shnat Hameler, le roi, il n'arrive plus à dormir, Mishkin, Mishkoupa, il n'arrive plus à dormir. Aïe, 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 Yevald. Alors il dit, il n'arrive plus à dormir. Amar Bita Rancon, pourquoi il n'arrivait pas à dormir? Vous êtes tout le monde là? Pourquoi? Tu connais pas que Binyamin? Quel théâtre, quel tzaddik qui connaît par cœur la Gemara. Alors, Nadeda Shnat Malko Shel Olam. Première option. Ça, c'est une option que le rabbi rappelle souvent, souvent, souvent. Comme les ministres, ils ont fait tchouva, donc on a réveillé notre mazal, on a réveillé Dieu. Dieu, jusqu'à là, il n'était pas intéressé par notre sort. Parce que peut-être que nous aussi, on n'était pas intéressé par notre propre sort. Une fois qu'on a fait tchouva, hein, on a dérangé le sommeil. Vous savez, quand un enfant, l'enfant, le papa, il dort bien, point fermé. Et il tape. Même si tu dors bien, t'as un sommeil de plomb. Mais quand il saute sur ton ventre pendant 10 minutes, il y a un moment où tu te réveilles. Ok? Alors, maintenant, il est comme ça. Nad dash nad malko shel olam. Comme les ménés d'Israël, ils ont fait tchouva, ils ont prié, ils ont crié, etc. À la fin, Kadosh Baruch Hu était obligé d'écouter. Rabbanan Amré, Nadedu Elyonim, Nadedu Tartonim. Donc en haut et en bas, tout le monde se réveille. Amar Rava lui dit. Shnat Amelak Rajvarosh, on parle vraiment du sommeil du roi. Naflale Milta Bedate. Et il a eu un virus dans sa tête. Nafla Milta Bedate. Vous savez, quand des fois, vous avez une idée, vous n'arrivez pas à la lâcher. Elle ne rentre pas. Et petit à petit, un virus. Petit à petit, elle arrive et elle prend de l'ampleur. Vous savez, quand vous avez une musique dans la tête, vous n'arrivez pas à la lâcher. Vous avez là, ici, une idée. Cette idée-là, elle prend tout l'espace. Nafla milta bedate. Il y a une chose qui est tombée dans sa tête. Amar, il dit, Maïde kaman, desminte Esther l'aman. Mais pourquoi? Esther, elle a invité Aman. Elle va m'acheter avec son mari. Ça, c'est la deuxième explication, ça. Bravo. Alors, les deux ou trois premières. Ok? Alors, pourquoi elle a ramené Aman? Ah, c'était que tous les deux, Michel? Il y avait Esther, ouais. Achashverosh et Aman. Mais qu'est-ce qui fait Aman dans l'histoire? Alors, Esther, elle a dit, dans une des raisons, c'est qu'elle va vouloir le séduire. Mais ça n'a pas marché. Elle va vouloir. Mais pourquoi est-ce qu'il fait Esther? Mais qu'est-ce qu'il fait? Si tu vas avec les ministres, tu amènes tous les ministres, tu amènes les trois premiers. Mais pourquoi Aman? Et en plus, moi, je sais que Aman, c'est un balgava. Mais pourquoi lui? Et je sais qu'il est cupide, je sais qu'il est méchant, je sais qu'il est prêt à tout. Pourquoi elle a amené lui? T'amènes le ministre de la culture, ça aide. T'amènes un chef cuisinier,
Seder, t'amènes quelqu'un qui sert à quelque chose. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il fait à Man ici? Et tu as 10 000 options. Chaque option, un couteau dans le cœur. Oui ou non? Donc, le plan d'Esther, il a marché en partie. Amamai de Kaman et Zimta. Esther, voilà, mais pourquoi l'amener? Il dit. Oui, tu as raison, tu as raison. Dilma et sa kashak le ilave. T'es en train de faire un complot. De Aou Gavra, le miktele. Et donc, ils sont en train d'essayer de m'endormir. Les deux, lui, elle, je sais pas. C'est pas normal. C'est quelque chose d'anormal. Vous savez, les parano, ils sont calmes tout le temps que tout glisse. Il y a un truc que dans leur esprit à eux, c'est pas logique. Et là, c'est évident que c'était pas logique. OK? Là, ils n'ont plus. Et comme en plus, à ce niveau de pouvoir, t'es tout seul, à qui tu veux faire confiance? Tout le monde a un intérêt. Tout le monde est autour de toi par intérêt. C'est tout à fait légitime, à part d'être parano, de toute façon, dans les tours de cours à l'époque. Bien sûr. Alors, Adarama, il a dit comme ça. Yahi, la vagavra de Rachim li. Et tout à coup, il se dit, sur qui je peux compter? Il n'y a pas un mec dans ce royaume qui a fait quelque chose pour rien. Il n'y a pas un mec dans ce royaume-là où je peux dire que je suis bien, il y a quelque chose. OK? Un des ministres, il a dit, il n'y a pas une seule personne en France qui pense que le président, il n'a pas fait du bon travail. Je peux me rappeler. C'est chacun son truc. Alors, excusez-moi, s'il y en a certains que. Alors, Davar Modeli, n'a pas une seule personne. Ah, Daramar, il a dit. Dis-moi, Kanish, David Bittivu, t'avais le paraté. Ah, peut-être qu'il y en a un. Comme peut-être des fois, je ne suis pas reconnaissant. Donc, peut-être qu'il y en a un qui m'a fait une tova. Peut-être qu'il y en a un qui a fait une tova et que je ne l'ai pas respecté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Et peut-être parce qu'il n'y a personne qui m'aime, parce que moi, je ne suis pas reconnaissant. Donc, c'est pour ça que personne ne me dit quand il y a un problème. Okay? Et donc, ils sont obligés de comploter pour me dégager parce qu'il ne va pas me parler, ou parce qu'il ne m'aime pas, ou parce qu'il se fait un film. Qu'est-ce qu'il a fait? Mia, tout de suite, il a dit, amenez-moi les chroniques. Tout ce qui est consigné, on va faire Khazara de tout le livre des chroniques. On va regarder. Amia, Adama, Avayom, Alavi, Etsefra, Zichonot, Vrayamim, ramenez-moi. Va yunikraim et qu'il soit lu. Ah, normalement, on dit pas va yunikraim. On dit, mais t'y crains, auto, lis-le. C'est quoi va yunikraim? Mais là, mec, yunikraim, elle, il parlait d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Aman, en tout bon, pervers, méchant, taré et un as de la politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous ses enfants dans les premières loges. Tout autour du roi. Le roi, lui, croit qu'il est puissant, mais il n'est pas puissant. Puisqu'en fin de compte, tous les gens qui te servent, ils ont juré fidélité à quelqu'un. Donc toi, t'as aucune puissance. Qui était devant lui pour lire les chroniques? Un des enfants d'Aman. Vaïmatse Katouf. Il a été trouvé. Pourquoi il y a marqué Vaïmatse Katouf? Il a été écrit. Il a été trouvé écrit. Normalement, il y a un Ktav, mais Baïle. Vaïmatse Ktav. On a trouvé un écrit. Baïle Melamed. On tourne à la page, monsieur. Daf. Dav Tetzain, Yudzain, Tetzain. Ouais, c'est juste derrière la page. Ok? Elle dit, c'est Shimshe Moichek, Gabriel Kotev. Parce que le Shamash, qui était le fils de Aman, il est effacé. Vient l'ange Gabriel, il réécrit. Ah, ma Rabbi Assi dit, Darash Rabbi Sheila Ish Kfartimarta. Et Rabbi Sheila de Kfar Timarta, il a dit, Maktav, chez les Mata, chez les Srodan, chez les Israël, et non, il a dit comme ça. Si déjà en bas, quand on parle du bien du Ram Israël, à Kadol Bochou, il interdit qu'on les fasse des livres d'histoire. Ktav, chez les Mala, le Kolcheken, n'a plus forte raison en haut, jamais le Srod du Ram Israël, il n'est effacé. Bon, c'est aidé. On continue. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'il disait quoi. Donc, n'ayez pas crainte, chaque mitzvah, il est consigné chez Akadosh Baruch Hu, le Had ou l'Olmé Olamim, à tout jamais. On continue. Mais je vois pas le rapport entre aller chercher des chroniques et être parano, quoi, en fait. J'ai raté un truc. C'est qu'il était pas. Enfin, il est devenu parano de savoir pourquoi Aman était là avec ma femme. Non. Et après, sortez-moi le livre des chroniques, je vois pas le rapport. C'est quoi? Non. Un truc que je vais tout revoir en premier temps. Quoi. Ouais, un super. Lui, il s'est plaint. Il a dit, dis-moi, il y a Yoli.
Non, parce que... C'est plein de dire. Il n'y a que des nages autour de moi, il n'y a pas... Non, parce qu'en vérité, tout ça, c'est de la superstition. Tout ça, quand je dis la superstition, c'est... Tout ça, ce n'est pas calculable, il n'y a pas de preuves. C'est quand tu peux avoir de preuves tangibles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes... Quand les mecs, ils font les gématrias, ah, c'est un bon chiffre, c'est un bon chiffre. Ah, c'est bien de signer lundi, c'est bien de signer jeudi, c'est bien de signer... C'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, je ne sais pas où je mets les pieds. J'ai envie de mon truc. Donc, quand quelqu'un, il se trouve seul, il se dit, je sais pas, trouvez-moi quelqu'un qui m'aime. Donc, où tu peux trouver? Ben, tu regardes, tu revérifies tes notes. Pourquoi t'écris? Tu revérifies tes notes. Il va se rassurer un petit peu. Non, peut-être trouver un allié, trouver un truc. Tu sais. Du réconfort, quoi. Non, je pense un allié. Je pense un allié. Tu sais, quand ils font politique, le ralliement de lui à lui. Quand des fois un pays doit avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un allié à droite. Quelqu'un qui croit aux mêmes valeurs que lui, etc., etc. Donc là, lui, il était en galère. Il n'y avait personne. Il est considéré seul. Et en vérité, c'est pire que ça, c'est pas seul. Considérer que les gens les plus proches de lui. Voilà. Donc il s'est dit, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter. Ouais. OK? Alors il dit, alors on y va. Maintenant, ça va être sympathique. L'homme a saïm odavar. Rien n'a été fait. Amaravarava, il a dit, l'homme des choravim et Mordechai. Ah, maintenant, ils n'étaient pas prêts à faire du bien à Mordechai parce qu'ils aimaient Mordechai. Écoute bien, c'est pour répondre à ta question, Michoël. Parce que là, il fallait trouver un contrepoids à Haman. La pire des erreurs qui existe et dans la démocratie et dans tous les domaines de la vie, qu'une personne détient trop de pouvoir. Parce qu'en vérité, le roi lui-même, c'est quoi son pouvoir? Son pouvoir, c'est ses alliés. Comment tu assois un pouvoir? Comment tu assois un pouvoir? C'est lorsque maintenant quelqu'un, il a des amis à lui, absolument tous les postes clés, c'est terminé, il a le pouvoir absolu. Ah mon nom, démocratie. Et alors? La signature, c'est moi qui l'ai. Comment tu fais dans les bureaux? Dans certains bureaux, dans certains domaines de la préfecture, etc. Il y a un mec qui a la signature. Personne ne peut signer à sa place. Ça s'appelle un pouvoir. Tu montes, tu descends. Même si maintenant le directeur de la banque, il est idiot. Tu montes, tu descends. Tu as préparé tout le dossier, mais c'est lui qui signe. Ton signature, elle n'a pas le pouvoir. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un problème avec Haman. Haman, il réunit trop de terrain. Donc là, maintenant, ils disent, Rava, il dit, c'est pas parce qu'ils ont aimé Mordechai, parce qu'ils avaient, c'était le seul qui pouvait faire grincer les dents à Haman. Alors, on continue. Alors, Tana, Lohechin, va à Sachen et Mordechai. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Venez, on regarde. Haman, il dit, Manu Mordechai. Pardon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent et Vaimatse Katouv. Et on a trouvé qui est marqué Asher Asa Mordechai la Meler, que Mordechai l'a fait au roi, qu'il a dit sur Bigdan la Teresh et qu'il a sauvé. Tout d'un coup, il y a Haman qui tape à la porte. Et Haman, qu'est-ce qu'il dit? Il vient pour parler au roi qui veut pendre Mordechai. Le roi, il dit, qui est là? Vayavo, Vayomer, Haman. Vayavo, dis-lui de rentrer. Vayavo, Haman, il rentre. Et le roi lui dit, mon cher Haman, que j'aime à la folie, au grand cœur, mon cher grand conseiller, le seul qui est intelligent, qui a une vision grande du monde. Qu'est-ce que tu me conseilles pour récompenser quelqu'un que je considère qu'il mérite, que récompenser quelqu'un qui m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Haman, il dit dans son cœur, mais à qui le roi peut penser d'autre qu'à moi? Magnifique, moi, cette phrase. Et on raconte comme ça qu'à l'époque du Admor Hazaken, je ne sais pas exactement comment cette histoire elle est possible, parce qu'en général, c'est l'Admor Hazaken qui lisait la Torah. À l'époque du Admor Hazaken, une fois, c'était un chassid qui devait lire la Megillah. Et vous savez qu'on n'a pas le droit de parler du début jusqu'à la fin de la Megillah. Oui ou non? Le chassid, il arrive. Et chez le chassidim, la gava, c'est grave. Chez tout le monde, mais bon. Et il vient, il arrive à ce moment-là. Mais à qui le roi peut penser à faire du bien mieux que moi?
Le chassid, il n'en peut plus de cette phrase. Il fait « Palgava, quel orgueilleux !» Maintenant, tu n'as pas le droit de parler pendant la Megillah. Tout le monde se tourne la tête vers la Brazakel. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on le dégage, on recommence toute la Megillah depuis le début. La Brazakel a dit « C'est bon, c'est dans le film. C'est dans le film, c'est un sous-titre. C'est un sous-titre. » Ok. Alors, il te dit comme ça. « Tana, Tana, lo. » Alors, il dit « Donc, qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « À qui ?» Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Il commence à lui dire « Prends le cheval du roi, la couronne, le sceptre du roi, etc., etc., etc. » Il dit « Ah ! Fais ça à Mordechai. » Ok ? On commence à dire à partir de là. Amalé lui dit « Fais ça à Mordechai. » L'autre lui dit « Manu Mordechai. »« Shkunadas Mordechai. » Amalé lui dit « Hayehudi. » « Mordechai, le juif. » Les juifs, les juifs. Amalé tout va Mordechai, comme Yudai. Chez les juifs, Mordechai, c'est un nom commun. Et ou non ? Tiens. Amarle lui dit, parce que c'est la suite de la Megillah. Ah, Yosef, Charmel, tu sais très bien de qui je parle. C'est celui qui est là-bas, qui ne bouge pas là-bas. C'est le grand barbu, le mec qui grimpe à la porte du roi. Il dit, Amarle lui a dit, mais non, mais non, mais non, cher roi, je me suis emporté. Je me suis emporté. Et excuse-moi une seconde. Je me suis emporté, je me suis emporté. Il n'a pas besoin du cheval du roi. C'est pas quelqu'un qui aime le kavod. Donne-lui quelque chose qui est rentable. Donne-lui, ça lui suffit. Donne-lui une ville où il va prélever des impôts. Ou donne-lui un fleuve où il va mettre là-bas un portillon et chacun qui passe lui donne de l'argent. C'est aidé, il n'a pas besoin. C'est pas quelqu'un qui aime le kavod. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ah, non, miable. Tiens, j'y avais pas pensé. Ça aussi, donne-lui. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rachid nous explique. Là, Aman, isté. Parce que chaque chose qu'il va lui dire, il va rajouter dans Mordechai, isté. Elle lui dit, maintenant, al t'appelle d'avoir Mikol Ashadi Barta. N'oublie pas une chose de ce que tu as dit. Ça a été consigné. Tout ce que tu as dit, ça a été consigné. Le cheval, Bessou Sameler, Oulbouche, et prendre la tenue du roi, le cheval du roi, le grand conseiller qui va dire, Kachaya, c'est là, il cherchera un melech avec Bekaro. Voilà comment le roi, il récompense quelqu'un qui veut le récompenser. Plus la ville, plus le fleuve. Al t'appelle d'avoir, n'oublie rien. Alors maintenant, vaïe, Kachaman et Talbouche et Tassous. Aman est parti prendre l'habit du roi et le sous. Az aleshkach diyat rabbanan kamei. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher Mordechai. Mordechai, Mordechai, il est où? Et qu'est-ce qu'on voit? On va Mordechai, on va faire un shiur. Il y a tous les rabbanim autour de lui. Alors écoute, elle est magnifique. Je suis désolé que j'ai pris trop de temps, mais bon, on va essayer de faire vite. Omechav elehu ilchot kmitza rabbanan. Et qu'est-ce qui se passe? En plus, là, on est en train de parler de les lois de kmitza. De kmitza, c'est quand on fait les offrandes. De quelle manière on prenait la farine et l'huile? On le mettait comme ça, on faisait au Beth Amikdash. Je m'excuse, c'est trop tard, vous voulez qu'on arrête là? Non, non, c'est vous. Hein? On est lancé. Hein? Moi, je vais y aller. Ok, c'est là. Ok. Alors, il dit comme ça. Keivan de Chazi Mordechai, de le câble. Quand il a vu Mordechai. Ouais. Quand il a vu Mordechai, que il arrive, lui s'est dit, c'est arrivé mon heure. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai parlé sur lui. Tout ce que j'ai fait, Iggy Azman, oh, je dois assumer ce que j'ai fait. Vesusei Michal Meda. En plus, il a un cheval de l'autre côté. Il s'est dit, c'est le cheval pour la potence. Miratet, il a eu peur. Amale au Rabbanan, il a dit au Rabbanan, ce rachat-là, le Miktal Narchikat, il vient pour me tuer. Zil Mekmel Dilat Kavu Mechal Gachalato. Bougez, partez, pour ne pas qu'il va. Tu vas, Michal? Alors, bougez, pour pas que vous soyez avec moi dans le tourbillon de sa haine. Bah, Ishata, à ce moment-là. Alors, au passage, il y a un autre midrash, ou dans un autre cas, où Aman, il est venu voir Mordechai, dans un autre domaine. Et Mordechai, il était avec les enfants. Et Mordechai, il a dit aux enfants, partez, 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 sinon il va vous attraper avec vous. Et les enfants, ils ont répondu, Mordechai, nous, on bouge pas avec toi. S'il te fait, il te fait à nous aussi du mal. C'est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait, Mordechai? C'est sa dernière minute, c'est ses dernières minutes. Il se tourne, il met son talit et il prie pour qu'Akadosh Baruch Hu lui l'accueille. Ok? Shata nita de Mordechai comme les litzluta. Et bien, il se met, il commence à prier. Bon, attends, il y a tivleu kamay. Qu'est-ce qu'il fait, Aman? Il peut pas bouger, il peut pas toucher un cheveu à Mordechai. Là, il a un ordre clair du roi. Tu fais tout ce que t'as dit. S'il touche un cheveu, s'il le fait glisser sur une peau de banane, c'est lui qui prend tout. Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit.
Il s'assoit. Véorichad dislik Mordechai sloté. Il attend. Jusqu'à Mordechai termine. Magnifique ou pas? Rappelez-vous, rappelez-vous ce qu'on avait étudié avec, avec les plaies. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il faut aussi que l'oppresseur devienne oppressé. Et que l'oppressé reprend sa place initiale. Amar le dit, une fois qu'il a terminé, bon, Mordechai, il ne va pas prier des heures. Il y a un moment au truc. Il a terminé prêt. Viens, Aman lui dit, vous étiez en train de faire quoi là? Amar le dit, bizarre, je vais t'amener de Shkaya, Manadiv Mincha, Maitil Mile, Kumtse de Solta. Tout celui qui voulait amener une offrande et qui n'avait pas les moyens, il a amené une fleur de farine. Fleur de farine, c'est 70 centimes. Avec 70 centimes, tu fais un corban à carte de bord où on met qu'à perler. Et les 70 centimes expiaient les fautes que tu avais, comme on a étudié dans la paracha. Ok? Amar le dit, hey, vous les juifs, Atamile Kumtse Kimcha Didru. Elle est venue, votre farine à 10 centimes. Et elle vous a sauvé. Vedachi aseret alafin karkas pamdida. Et elle a repoussé les 10 000 lingots d'argent que j'avais prouvé. Votre mitzvah à vous, elle était plus puissante que moi, tout ce que je voulais donner. Amar lui dit, Racha, idiot. Evet, chikana nechassim evet lemi. Unchassim lemi. Si maintenant t'es un esclave, à qui est l'argent? Toi, tu voulais acheter le roi avec l'argent qu'il t'a donné. C'est son argent. Il y a d'autres explications, on va pas le faire. Aman lui dit, il lui dit comme ça. Alors maintenant voilà, c'est là où ça va être sympathique encore plus. Viens, Aman, il dit, allez, lève-toi, je dois t'habiller, tu vas aller sur le cheval. À la place de Mordechai, vous faites quoi? C'est très fin. Faire le lourd. Pourquoi tu vas te permettre de faire le lourd? Parce que je me permets. Pourquoi tu vas te permettre? Pour le montrer que c'est lui qui est en dessous maintenant. Oui, mais t'as raison. Mais d'où tu vas sortir la force de faire le lourd? C'est parce que tu as compris une chose. Alors moi, je sais pas faire ça. Moi, je sais pas faire ça. Il y en a certains qui aiment la négociation, ils peuvent savoir faire ça. Moi, je sais pas faire ça. Lui, Mordechai, il a compris une chose. Si Aman, il vient pour lui donner du kavod, c'est qu'il risque sa vie s'il ne fait pas le kavod. Donc là, il savait que là, il pouvait faire ce qu'il voulait, tout le lourd qu'il voulait. Et il n'avait pas le choix. Donc il a été super fif à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Coupe les bouchers à Némané. Viens, lève-toi et mets les habits. Je dois te faire passer dans tout Shushan. Urkov, haï Sousa, il monte sur le cheval. Débat, il marque Malka. Parce que le roi, il a demandé. Amarle lui dit, c'est pour ça que tu ne vas pas tuer tout de suite. Désolé, je ne suis pas bien. J'ai mis de la cendre sur moi, je me suis pas lavé, ça se fait pas pour que je mets les habits du roi maintenant. Amarle, la yachnadi alimelebe mene, on va ni veish que le messaya, je fais pas tant que j'ai pas mangé. Et là, voilà, j'étais mouché, ben, mané de malke, achi, et que je me suis pas lavé. Ça se fait pas de mettre les habits du roi, alors je suis pas beau, ça se sent pas propre. Lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Esther, elle surveillait Mordechai. De la même manière que Mordechai était surveillé, elle aussi, elle voulait que rien ne lui arrive. Elle entend que ça, elle comprend. Écoutez bien. Shadra Esther va sortir les coulombes de Bande. Elle a envoyé une missive dans toute la ville. Tous les bains publics, fermez les portes, dégagez. Je veux voir plus personne dans les bains publics. Tout le monde, tout de suite, tout à l'heure, hein? Tout le monde sort. Ou le coulombes de Bande et toutes les personnes qui travaillent là, dégagez total. Ils sont arrivés. Et qui va laver Mordechai? Il est fatigué. 3 jours de jeûne. Il faut bien que quelqu'un le lave. Qui va laver Mordechai? Aman. Il ne peut même plus payer personne. Il n'y a personne qui travaille dans les magasins. Il n'y a plus personne dans les magasins. Veasre. Veasal Haïti Zouza. Mibet. Alors maintenant, il l'a lavé. Très bien. Donc déjà, il a l'air. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, et maintenant plus, il fallait lui couper les cheveux. Donc il a amené des ciseaux. Mais cache à quel bé, mazaya. Et il coupait les cheveux. Pendant qu'il coupait les cheveux, il a commencé à soupirer. Sur quoi il soupirait? Il a dit, Amarle, Amaika mitnach. Alors maintenant, Mordechai lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu soupires?
Il a dit, t'imagines, Gavra de Hav Chashim Leil Malka Mikolo Rav Rav Nohi, le personne qui est le plus important aux yeux du roi de tout le monde. Ashtal Ishavnu Belane, ça part. Et maintenant, je suis devenu un mec qui fait du bain public et qui coupe les cheveux. Regardez qu'est-ce que Mordechai. Regardez qu'est-ce que Mordechai lui dit. Amar lui dit, Racha, espèce de Racha. Mais toi, t'étais pas un coiffeur avant. Tu renies ta profession première parce que t'as pris du kavod. Comme je vous avais déjà dit une fois, faut faire attention de ne pas être ce qu'on a, mais être ce qu'on est. Et donc lui maintenant, lui, il a été un coiffeur. C'est ça qui t'a transformé. Que t'avais, avec ça, t'as pu donner à manger à tes enfants quand t'avais rien, oui ou non? Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, t'as pris un peu de kavod, t'as oublié qu'est-ce que t'étais vraiment. Racha, t'as oublié qui c'est qui t'a donné à manger. Elle a dit, Tana, Aman, ça part chez le Kfar Khartoum, il était 22 ans. Bâtard, Eshkelon, le Messel, le Meshel, le Mané. Une fois qu'il lui a coupé les cheveux, qu'il a habillé, qu'il a lavé, il lui a mis les habits. Aman lui dit, sac ou chav, monte sur le cheval. Qu'est-ce qu'il lui dit, Mordechai? Il dit, ah, je suis fatigué, j'arrive pas à monter sur le cheval, je suis pas bien. Amar lui dit, là, y'a rien à jouer pas. Alors il dit, maintenant il ne peut pas, il est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Baisse-toi, comme ça je peux monter sur le cheval. Il a fait. Quand il s'est baissé, il en a profité pour le donner un coup. Attends, il est où, Shmuel? Il est en train de rater le truc. Ok. Alors, qui salik, Béad, mais quand il est monté, il l'a frappé. Amar lui a dit, l'active lechou, bin pol oivecha, altismar. N'est-il pas marqué chez vous que lorsque ton ennemi tombe, t'as pas le droit de te réjouir, là, t'as fait exprès de me frapper. Shmuel. Alors là, il lui a dit comme ça. Donc, il lui dit, monte sur le cheval. Il dit, mais je suis fatigué, j'ai jeûné, je peux pas monter sur le cheval. Alors, à la fin, il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Aman, il s'est baissé. Et l'autre, il a mis les... Pour que Mordechai puisse monter. Quand il monte sur le cheval, Mordechai, il frappe Aman. Ah, il frappe Aman. Hein? Non, j'ai fini. Pardon, Mechila. Je suis passionné. Alors il dit comme ça. Ah Marley, il a dit, qui s'aligne Béat Bey. Comment quand maintenant il est monté, il l'a frappé dessus. Alors Marley lui a dit, l'active des choubin pol oivechat ismach. Il n'y a pas marqué chez vous que lorsque ton ennemi tombe, tu ne dois pas te réjouir. Qu'est-ce qu'il a répondu? Marley lui a dit, anem il est Bé Israël. Ça c'est entre nous, Am Israël. Quand quelqu'un tombe, tu dois prier pour lui. Mais aval bidditrou, mais avec nos ennemis. Il y a marqué, va t'avoir monté dans le petit bord. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a pris, il a fait tomber dans le cheval. Ce midrash-là, vous connaissez, quand il est passé devant chez lui, il y avait sa fille qui a vu. Et a priori, elle était myope. Elle aurait dû aller chez David Benjamin. Optical du Faubourg, comme ça on fait une pub en même temps. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Sabra Aïderachev, elle était persuadée que celui qui est sur le cheval, c'est son père. Qui est mieux que mon père? Et l'autre, c'est Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aïdemaske, quand même Mordechai. Chaklé Atsitsa de Vekise. Elle a pris le pot de chambre avec tout le caca et tout le truc. Où je dis, t'es arrêté d'avoir. Et il a jeté sur la tête de son père. Dale, Aïna, Vechaz, le voit. Il a levé les yeux. Il a vu que c'est sa fille. Elle a vu que c'est sa fille, c'est son père. Elle savait qu'elle allait prendre sa maman un quart d'heure. Nafla, Mehigra, le Harometa. Elle s'est jetée par la fenêtre. Elle est morte. Qu'est-ce qui a marqué dans le Passouk, dans la Megillah? Va Yashov, Mordechai, Sharamelech. Mordechai, il est retourné au roi, à la porte du roi. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que les tzadikim, tu peux leur donner le kavod qu'ils veulent. Ils n'en ont rien à fiche. Ils retournent à leur chose. Le kavod, ça leur fait ni chaud ni froid. Et Aman, il retourne chez lui. Avel, c'est quoi Avel? Endeuillé. Vachafouirosh, avec les cheveux. Balagan, c'est quoi Avel Vachafouirosh? Avel,
endeuillé parce que sa fille, elle s'est tuée. Rafo et Roche, parce qu'elle avait peu de chance sur lui. Razak, Oufaru. On dirait qu'il y a une histoire de Walt Disney, non? C'est moi Disney, gars.